Besan pura, besan chila, crepe indien, pancake indien, ou bien la soca. La soca, c'est la crêpe niçoise. Chez nous, notre version, c'est un tout petit peu différente. Alors, ici, vous voyez, il y a déjà une qui est en train de cuire. Et je vais vous montrer comment il faut faire. Alors là, j'ai tous les ingrédients. D'abord, il faut la farine de pois chiche. Ensuite, la même quantité d'eau. Faut le tout mélanger. Bien. Ensuite, on va saler et épicer légèrement. On va ajouter du sel, le cumin en poudre, le curcuma, un peu de piment, gingembre râpé, des oignons avec la coriandre fraîche et les graines de carom, adjuen. Une fois que tout est mélangé, ça va aller assez vite. Vous pouvez le manger avec du ketchup indien, le chutney de tamarin, bien avec du ketchup normal, entre deux tranches de pain de mie ou bien comme ça. Vous pouvez aussi le faire comme une base. On va ajouter un tout petit peu d'huile. Vous pouvez aussi utiliser comme base une pizza. Par exemple, ici, j'avais fait avec un petit peu de sauce de tomate et du fromage. Alors, une fois que c'est bien mélangé, on va juste ajouter encore un tout petit peu d'huile. Voilà. Si vous trouvez que c'est un peu trop épais, bon, il suffit d'ajouter quelques gouttes. Faut bien chauffer la poêle. Voilà, je vais sortir celle-ci. Maintenant, la poêle elle est chaude, on va ajouter un peu d'huile par-dessus. Et ensuite, on va mettre la pâte qu'on a préparée. Alors, la taille peut varier selon vos envies. Ça peut être petit comme des beignets ou ça peut être plus grande, c'est comme vous voulez. Et vous allez encore ajouter de l'huile par-dessus. Que c'est cuit, vous allez retourner et cuire l'autre côté. Bon, c'est à peu près 4-5 minutes par crêpe. Si elle est grande, si elle est petite, bon, ça prendra un petit peu plus de temps. Vous voyez, ça va être comme ça. On va la retourner. Je vais vous laisser essayer après chez vous, dans votre cuisine. Alors, c'est vegan, c'est sans gluten. Et voilà. Bon appétit!